bien, salut à vous les Wonder, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va super. Et comme vous pouvez le constater, aujourd'hui je suis à Disneyland Paris. Mais il est très très tôt, il est 8h15. En fait c'est les Extra Magic Hour, on vient à l'instant de rentrer sur le parc. J'ai déjà parlé sur la chaîne de ce que c'est exactement les Extra Magic Hour. En fait ce sont des petites heures qui sont en plus en fait avant l'entrée du parc, pour ceux qui résident dans les hôtels ou ceux qui ont des passeports qui le permettent. Je vais vous montrer ce qu'il y a à faire durant les EMH de la saison d'Halloween. Allez, suivez-moi. Ce qui est cool, c'est qu'on a les rencontres avec les personnages en fait. Et bah, il n'y a pas grand monde en fait. Alors là, on va aller voir Pluto qui est juste derrière moi. Hop, vous allez le voir là. Attendez, je vais vous le montrer là. Elle est juste là. Et en gros, bah, il y a beaucoup moins de temps d'attente que d'habitude. Hein. Il y a à peu près 10 minutes, alors que normalement, il y a des heures et des heures. Donc on va en profiter pour faire une petite photo. Il est bien réveillé ce matin. Hein. Bon, une autre. Merci beaucoup. Donc comme vous avez pu voir, j'ai pu faire ma petite rencontre avec Pluto en 10 minutes, c'était plutôt sympa. En plus, ce qui est sympa, c'est que le personnage reste longtemps avec vous puisqu'il n'y a pas trop d'attente. Donc c'est un petit moment à passer avec les personnages durant les EMH. Bon, clairement, j'ai pas fait de photo avec Donald parce que je l'ai déjà fait l'autre fois et j'ai pas besoin non plus de le faire à chaque fois. Là, il y avait un peu de monde quand même. Ce que vous pouvez faire d'ailleurs durant les EMH, c'est profiter du peu de monde. Comme ça, vous attendez à une file d'attente et vous êtes les premiers en fait dès que ça ouvre. Voilà, c'est intéressant de faire ça aussi. Il y a des attractions également ouvertes. Alors là, par exemple, on a du Buzz Lightyear Laser Blast en 10 minutes. On a du Peter Pan Flight en 30 minutes. On a du Dumbo Flying en 5 minutes. Tiens, je vais peut-être faire un petit tour de Dumbo. C'est sympa de faire un petit tour de Dumbo le matin. Moi, j'aime bien, je vais vous filmer ça. Et puis voilà, je vais un petit peu me balader, vous montrer un peu les décors dès le matin, comme quoi c'est calme et c'est plutôt agréable. Bon, je voulais faire le carrousel de Lancelot, mais il y a 10 minutes d'attente, j'ai un peu la flemme quand même d'attendre 10 minutes. Donc je continue à me balader, je vais aller voir ce qu'il y a à faire. Je suis à Fantasyland et il faut savoir qu'il y a quand même pas mal d'attractions ouvertes justement à Fantasyland. On a Mad Hatter Teacups, on a Dumbo Flying, on a Peter Pan Flight et on a également le carrousel de Lancelot. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que j'ai rien oublié. Ouais, non, je crois que j'ai rien oublié, donc je vais aller voir il y a combien de temps d'attente à Dumbo. S'il y a vraiment 5 minutes, je vais le faire. Sinon, bon, je ferai quelque chose d'autre, c'est pas grave. Vraiment beau quand même d'être le matin comme ça dans Dumbo, c'est trop trop beau avec le petit lever de soleil et tout. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Ce qui est plutôt pratique, c'est quand c'est les EMH, bah vous pouvez vous diriger directement en fait aux premières files d'attente, comme ça vous êtes dans les premiers. Sauf que là, vu que j'étais bloqué dans Dumbo, bah en fait je suis pas dans les premiers, il y a un petit peu d'attente pour Jack Skellington. Et bah oui, parce qu'ils ont ouvert une nouvelle file d'attente pour Jack Skellington. Ils nous ont fait un nouveau point de rencontre pour Jack Skellington à côté de Phantom Manor. Je vais quand même vous montrer, même si on ne sera plus en Extra Magic Hour, je vais quand même vous montrer ça parce que franchement Jack Skellington il déchire. Et voilà, et puis je vais vous filmer après le Phantom Manor pour une prochaine vidéo, vous allez kiffer.
check. Merci beaucoup. Bon les amis, vous l'avez compris, là les extra magic hours s'arrêtent. Mais sauf que j'ai fait plein d'autres choses dans ma journée, et je trouve ça plutôt intéressant de vous mettre tout bout à bout, plutôt que de vous faire plein de petites vidéos. J'espère que ça va vous plaire, allez on continue. Je peux faire un A? Oh, hein, j'ai fait un B. Qu'est-ce que je fais? Je recommence ou pas? Oui. Ah bon, d'accord. Bon, attends, on va voir quand même si ça se trouve. Hop. Voilà le B de Alexis. Ça va? C'est bien? Non, c'est pas ça? Ah. Ah si, c'est ça hein, quand même. Je veux juste faire une fleur. Attends, je mets. Moi, je veux un cœur. Normalement, c'est une pointe, c'est-à-dire. Explique-moi. Ah oui, le haut du A. Oui, mais on peut le faire comme on veut. Tu vois, il y a différentes façons de le faire. Ah oui, bah oui, on a trouvé votre pomme. Bah oui, c'est ce que c'est génial. Ouh, vous voyez, du poison. Et j'empoisonne fort. Bah oui, parce que. Ah oui, faut que ça tienne. Ah, c'est bah, de l'eau. Non, ah c'est de l'eau. Alors on verra bien si vous. Donne ton doigt. Alors je suis là les mercredis, samedi et dimanche. Et puis bah je vous attends avec impatience pour vous empoisonner vos pommes. Et de entre 11h et 15h. Voilà, donc vous êtes les bienvenus. Je vous attends de pied ferme. Et puis croyez-moi, j'ai du matériel avec moi. Ah, excusez-moi. Bonjour. C'est bon ? Si. Olé. Olé. On fait notre pause ? On fait quoi comme pause maintenant ? Ah, comme ça. Hey. Eh, nous on est des messieurs, hein, excusez-moi. Ah ouais. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Alors, merci il a beaucoup. Confirmé. Merci. Merci à vous. Soy un hombre muy honrado. Donc voilà, bref les amis, je vous invite à mettre le petit pouce bleu, partager, vous abonner et surtout n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous. Et dites-moi aussi si vous avez déjà fait les Extra Magic Hours à la saison d'Halloween.